Les échauffourées ont repris sur l'autoroute Le Prince. Ce vendredi 29 juillet 2022, lendemain d'une violente manifestation appelée par le FNDC et qui s'est soldée par un mort et de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels, les troubles ont recommencé sur le tronçon Kosa-Koloma-Bambeto. La tension ne faiblit toujours dans cette partie de la capitale Conakry, théâtre de violents affrontements hier jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Des gendarmes et policiers déployés en nombre tentent de rétablir la circulation. Sur la chaussée, des ordures sont déversées, des barricades érigées à certains endroits. Les forces de l'ordre ont usage de gaz lacrymogène pour disperser les jeunes voulant occuper la rue. Nouvelle manifestation en vue. Alors que ces dirigeants sont menacés par des poursuites judiciaires, le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, appelle à de nouvelles manifestations le 04 août prochain. Les troubles ayant secoué ce jeudi 28 juillet 2022 une partie de la capitale Conakry en marge d'une manifestation interdite par la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, ont fait un mort par balle et de nombreux blessés, selon le FNDC. Le FNDC déplore la mort, cet après-midi à Andalay, d'un citoyen atteint par une balle, plusieurs blessés par balles réelles et de nombreuses arrestations. Le FNDC s'incline devant cette victime, souhaite prompt rétablissement aux blessés, a indiqué ce soir le mouvement organisateur de la manifestation. Le FNDC invite les Guinéens à une nouvelle manifestation 04 août prochain, cette fois sur toute l'étendue du territoire national. Dans la soirée de ce jeudi, 28 juillet 2022, juste après les émeutes survenues à Conakry en marge de la manifestation du FNDC, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a fait le bilan de la journée. Selon colonel Maury Kaba, directeur adjoint des services de communication, plusieurs policiers ont été blessés dans les échauffourées, un véhicule de la CMIS incendié et 85 manifestants arrêtés. Contrairement au bilan fourni par les organisateurs de la manifestation, la police ne fait pas état de cas de mort, ni de blessés par balle. Le bilan des manifestations du 27 et 28 juillet fait état de 12 blessés parmi les forces de l'ordre tous admis au service de santé des armées, un véhicule de la police CMIS incendié par les loubards, 85 personnes interpellées, a expliqué l'officier joint ce soir par africaguinée.com. Le colonel Maury Kaba précise que les manifestants arrêtés ont été mis à la disposition des OPJ, officiers de police judiciaire, pour être déférés devant les tribunaux. Ils sont poursuivis pour des faits de trouble à l'ordre public, coups et blessures volontaires sur les agents des forces publiques suivis des destructions de biens. Dans le même sillage, le parquet général de la cour d'appel de Conakry a annoncé des poursuites judiciaires contre les organisateurs de la manifestation et les participants.